Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite et par un jeu de la guitare. De quoi tu parles? Et on est sur Anno, je voulais dire, pardon. Le Ouais, mec. parce que Erreur il joue pas de la guitare là. Alors, de ce côté-là, on tape la tour. Ok, donc je t'avais dit j'ai deux bateaux, j'ai trois bateaux. Nous sommes prêts. Il m'a raconté si je les perds quand c'est ta question. Nous nous sommes tous deux rendus coupables. Oh. Si c'est Elle veut votre signer dernier la mot. paix. Moi je dis un jour je vais signer la paix. Quoi? C'est elle ça? Moi aussi elle m'a proposé ça. Avec casse-pied. Pied, hein, bien sûr. La tempête de sable a cessé de souffler. Oh non, c'était chez elle, c'était pas mal. Une transaction fructueuse. C'est pas pratique, je suis obligé de refaire mes contrôles à chaque fois. Ah non, la zone n'est pas bloquée là. Franchement. À l'attaque. T'as combien de villes, donjon? 7000! De ce côté-là, ça se capture. Qu'est-ce qu'on va gagner? Ok, il faut une que je boulangerie, mette une penderie de fer, un atelier d'outilleur. Je peux avoir 1170 citoyens, mais je suis que à 1000. Alors, ça, c'est l'armée 1. Mon armée 1, elle va bientôt arriver à ses premiers ports là qu'elle a recréé. Elle a recréé un port, enfin. Respect. Mais si on arrive à lui piquer assez bien ses ressources, elle va pas pouvoir nous attaquer. À... Ah, c'est un bâtiment neutre, j'ai compris. Ouais, c'est neutre, ouais. Regarde au même endroit. Est-ce qu'on peut taper la mine? Ah, ouais, on peut taper la mine. Je vais tout de suite la taper. Il y a probablement des trucs qu'on peut taper, mais. Après, vu qu'elle est près de la côte, on peut la taper. Bah c'est une mine de pierre, je crois, hein. Ça peut être important si c'est pas... Je crois pas qu'on puisse la casser en fait la mine, mais... Bah je crois que si, vu qu'elle est près de l'eau. Mais je pense pas qu'on puisse lui faire des dégâts parce que c'est pas un bâtiment... Ah, y a clairement indestructible sur le bâtiment. Bah voilà. En revanche, on peut taper ça. L'ennemi attaque l'ennemi. Ah ouais, mais il y a une tour qui tient dessus. Ok, on va éviter. Ah mais elle a construit un port, on peut aller au port. Puis elle a mis des camps à côté. Quel port? Elle a créé le port? Sur mon petit bateau, tu verras. L'ai vu. J'avais une armée qui était là-bas, mais mon armée elle a préféré aller en haut pour taper son autre port. C'est un bateau à elle là. En fait, elle a toujours le même bateau. Ouais, c'est toujours le même bateau. Elle a toujours un bateau qui se déplace pour apporter les ressources. Hein. Est-elle assez forte? Ah oui, il y a un bateau qui passe et qui pose des sources alors qu'il y a trois bateaux à la de l'honneur. Oh. Est-ce que je lui casse son bateau? Ça sert à rien. Je laisse. De quoi? Son bateau, est-ce que je lui casse? Ouais, ça va la ruiner à force, je pense. Ah ouais, ça lui coûte des sous. 3500 à chaque fois. Ah, j'ai bientôt plus de métal. Bah du coup, j'ai créé un autre truc de pas métal. Maintenant. Là, je me suis bien placé et je suis à un endroit où bah... J'ai plus de métal, bah je me pose juste à côté. Je rajoute une petite route en pierre. On a une armée qui va mourir, nous. Aux instructions. Puis c'est bon. Ok, son bateau il est mort. Il y avait des choses dans son bateau, je récupère. Quel sera votre ange de la mort? Ah, j'ai plus de chambre. Le navire est plein. J'en ai trois des navires. Elle transportait des choses. Ah, j'ai bien fait de couler son bateau. Tant pis, il faut que je fasse plus de plans de champ. Ouais, elle transportait plus de 42 bois. Hein. Alors, il me reste un débris flottant que je peux pas récupérer. Une mais j'ai des outils, du bois, yes, je peux créer une maison. Ah non, j'ai pas de bateau permettant de créer cette maison. Je créerais bien une maison chez elle, mais je suis pas sûr que je puisse parce que. Est-ce que tu peux créer une maison chez elle si t'as que deux de tes bateaux qui ont. Enfin, si c'est deux bateaux qui ont les ressources? Je sais pas. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Ok, elle vend plus pas mal de trucs, je sais pas si c'est. On va peut-être pas aller taper le. Ah, c'est les bateaux qui me coûtent. Non, ils coûtent pas tellement les bateaux. C'est à toi. Hein. Ouais, t'as 3 tonnes de ressources d'armée et tout qui sont en. Attends, un de mes navires s'est fait attaquer?
Mais non, mais c'est cette tour qui se défend, c'est logique. Alors j'ai 24 de café, je pourrais avoir beaucoup plus de champ à condition d'avoir les outils. Ah, c'est le navire tout devant qui prend un peu de dégâts. Ok, non, mais bateaux ils peuvent pas se poser sur la côte là. J'ai pas coupé la fabrique d'outils, on est d'accord? J'ai coupé une fabrique de pierre, ça c'est normal. Atelier de tilleur, ouais, ça produit. Et la cible d'une attaque. Rien ne peut nous arrêter! Aux instructions! La production a été interrompue. Ça me on va plaît. Les avoir de ce côté-là. J'ai posé un bâtiment à moi. Mais elle a encore un bateau qui vient passer! Je pense que je t'entends un peu trop fort. Hop. Ah, il se défend, défend. Vous avez anéanti les derniers. Elle se défend avec son vaisseau amiral en 3 éloigne de Dieu. Nous vous écoutons. Elle a essayé. Bah du coup là, moi je suis son bateau amiral. Je sais pas le... j'ai un bateau qui va venir poser formation de défense tout près de chez elle. Ok. Il est avec 10 outils, 10 bois. Elle avait encore tout plein de trucs sur elle. Ah, il est fou lui. Considérez ça. Ok, elle a encore ramené des outils. Un jour, vous regretterez ceci. Celui-là est de fou. On peut pas semer la pagaille parmi les. Des outils et du bois. Elle a encore ramené des outils et du bois. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle va ramener des outils et du bois chez elle. Elle a encore un bateau avec des outils, du bois et deux autres trucs. Je ne sais pas ce que c'est, les deux autres. Ah, trucs. Les cochons aussi. Du bois, des outils, des machins, du bois. Sur sa grande île, il n'y a rien de qui a rien à taper. Alors ça, c'est pas dans mes options pour l'instant. Ah mais là, on est encore en train de reconstruire son ses maisons là. Ouais, bon, en fait, il faudrait se stopper à son port le plus principal de sa grande ville. Mais deux bateaux vont pas suffire pour la taper. Faudra que tu viennes. Je vais mettre devant, mais pas trop proche. J'ai 3 bateaux qui campent à cet endroit-là. Et j'ai un bateau qui arrive avec du pain et de la... Okay. Alors... Pain, j'ai un bateau là... Hydrolien, tu pourrais ramener des bateaux qui font mal, des ports en pierre. Parce qu'elle a encore mis des défenses et du coup elle va encore apporter des choses. Vous entendrez c'est parler de moi. Alors j'ai un bateau qui va s'occuper de ses poissons. Ses poissons, elle va reposer des mais poissons. Mais tant pis, il suffit de tuer le bateau avant qu'il arrive. Vous avez été vaincu au combat. Ah, j'ai perdu une unité encore. Bah, du coup, vous... Je vais juste rester devant alors. Vous allez vous déplacer autre part. Une source de matière première commence à s'épuiser. What? Je comprends rien, il y a un bateau qui fait demi-tour. Wow, en fait il a avancé tout droit pour faire demi-tour après, j'ai pas compris. Ah bah du coup je vais t'aider à tuer les poissons. Tu vas prendre du temps sinon. Mais elle rapporte encore un bateau alors qu'il y a même plus... Hein, elle a un chemin permettant de faire des bateaux et ces bateaux ils y vont automatiquement. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de quoi passer, mais il est quand même passé là-bas. Alors... Une île a été colonisée par un autre joueur. C'est qui a colonisé toi? Ouais, c'est moi qui ai colonisé son île. Enfin, j'ai mis un truc de colonisation sur son île pour la saouler. Et elle a fait « Ne me poussez pas trop loin !» Ah, j'aime produire du bois et tout chez elle. La route. Je vais produire un peu de bois chez elle. Le conseil des 10 vous remercie.
On a tellement rien à faire d'elle. Je vais chez elle et je fais bonjour, je vais produire du bois. Il y a des gens qui se promènent avec des haches chez moi. T'as une révolte volontaire? Elle a un bateau amiral qui va. Vaisseau amiral qui va plus vite que mes bateaux. Faut qu'elle aille là si jamais elle veut déclencher une révolte. J'ai pas de patricien entre pas. Bon. Ah bah du coup je vais lui suivre son bateau à la vie en fait. Je vais suivre son bateau tout. Et à force devrait. Ah ouais mais c'est parce qu'ils ont pas toute leur vie là. J'ai quand même bus dans la route. Ok bah rentrer à la maison. Un de vos bâtiments subit une canonnade. Laissez-moi vous aider. Ça non c'est pas à moi. Alors fais feu là sinon. Progresse sur votre territoire. Rien ne peut nous arrêter. Il est où? L'armée est en marche. Ah, il est vide. Il a trois places. Ok, tornade. Il aille. Ah, on peut faire ça. Ah ouais, mais ça marche pas forcément pour les routes. Tornade. Faut qu'il aille à la maison. Y'a de ces bateaux qui passent. Donc j'ai mes trois bateaux là qui sont en réparation et les deux bateaux ils sont. T'aimes toujours ce bâtiment. Qui est un truc de pêcheur. J'ai cru voir des méchants bateaux près de chez elle. Oh des bateaux elle. C'est pas tout à fait des méchants bateaux. Ma flotte 1 elle a presque toute sa vie. Ah, d'ailleurs elle peut utiliser des trucs ma flotte 1 parce qu'elle est bien pleine. L'armée est en marche. Rien ne peut nous arrêter. À l'attaque. Ah mince il était pas en mode attaque. Nous sommes prêts. On y va. Ah, du coup on va plutôt le faire bouger par là. T'as pas du vert non je mets que c'est un truc hyper rare qui est bien. J'ai des bateaux qui ont des trucs sur eux, je sais même pas ce que c'est. Ah oui d'accord, j'ai des outils. Ainsi, t'as cessé et de plein de bois. Des marchandises. J'ai des outils et du bois dans des bateaux de guerre. Toi, tu viens te réparer en partie, oui, mais pas que. Ah, il y a deux charrettes sur les bâtiments de marché niveau 3. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un truc de réparation et des tours? Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Alors, tour maritime, il va falloir 15 de pierre. À quoi pensez-vous? Attends, autre proposition. Elle l'a quand même reposé. Là, il manque des outils et de la pierre pour ça. Et pour ça, des outils et de la pierre. Donc, je vais mettre full pierre, full outil avec tornade. De ce côté là on a du champ maintenant ou pas? Non, toujours pas, pas tout est utilisé. J'ai deux trucs vêtements je crois et un voilà et du coup cabane de tisserand. J'ai posé des trucs de réparation sur sa petite île donc j'ai créé des trucs, j'ai vraiment en fait j'ai bien fait de créer des trucs parce que du coup je peux créer des trucs de réparation sur sa petite île et ça va mettre entièrement avantage. Il est où mon cordier? Il y a un cordier. Ah, j'ai quelques vêtements qui m'ont manqué. Et du poisson. Ah zut, ça j'ai pas fait. Une transaction équitable. Et bah, attends, qu'est-ce qui me manque? C'est des. Ouais, c'est ça, c'est pas des constructeurs. Ah, il y a des chambres. Il manque des chambres. Chargement.
Je ne sais pas. J'aimerais savoir. Partie sauvegardée. Est-ce que le régiment de la licorne est en mesure? Alors, va falloir que je crée un autre chambrier dans ma. Dans ils se sont repliés. Allons-y, attaquons-les. Avec eux, je peux pas attaquer par contre. Le donjon, faudrait que j'aille l'attaquer. Quand j'aurai un peu plus de vie avec certains trucs. De ce côté-là, on a fait des grands détours. Peut-être que là, ça va. J'essaie de placer un bâtiment de chambre dans ma maison, mais c'est toute une histoire. Il me faudra enclos à cochons, tannerie, mine de sel et. Usine de sel. Ok, alors j'étais pas dessous là. C'est une papeterie. Ah, elle a plein de trucs dont j'ai besoin. Ouais, moi je suis à fond sur sa petite île. Ok. Elle répare à chaque fois, elle a du verre hein, quand même. Faut se dire qu'elle est pas mal. On va prendre ces deux trucs après. Oh, elle a recréé plein de trucs. Là, non. Celui-là. Elle est en train de vouloir faire des grands bateaux navals. Elle est en train de vouloir faire du naval. Elle va essayer de taper un naval. Il vaudrait mieux casser les bateaux. Sur sa grande île, tu dis? Ouais. Moi je vais essayer de placer sur sa grande île une petite maison. Non, sur sa petite île. Un navire de première classe, D'accord. Vous êtes le je vais essayer de placer des bâtiments de réparation sur sa grande île. Sur la petite île, déjà en réparation, ça. J'ai créé une base sur sa maison de réparation de création normale. Là, elle a un vaisseau amiral. Je sais pas pourquoi elle vient pas taper ton château. Je. Soldat, pas compris. Mais elle a pas trop l'air de vouloir taper ton château. Ok, cool, j'ai pouvoir faire des tours. Je sais manier l'épée. D'abord qu'on l'élimine. Ah, il volcanique en action. Ok, maintenant on crée ici une grue de réparation. Sur son île. Or insuffisant. La grue de réparation ça coûte hyper cher en or et je suis en petit manque d'or ces derniers temps. Tu veux que je t'en passe encore? Ravi de vous accueillir. Alors, ça fera 33 000. Ressentez la fumée. Est-ce que je suis en full citoyen? Cela devrait financer. Ouais, c'est bon. Attends, déjà, je vais gagner un peu de sous là. À la place d'en perdre. En fait, ils sont en manque de nourriture et d'habits. Et le temps que ça serait heureux si tu tues là, ça va être un peu long. Et mes citoyens, ils sont en euphorique. Mais ils sont 208 sur 208, donc vous allez payer plus. Du coup, maintenant tu peux réparer tes bateaux chez elle. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait, mes nobles? Ah, encore un. Non, matériaux insuffisants. Ah, il manque de la pierre, ok. Ils veulent des volcanique. De cuir, de la pierre. En fait, il n'y a personne qui s'est mis sur l'île volcanique. Ah, il y a des gros tirs de. Le volcan il est en éruption là. C'est où? C'est. Clique sur les boutons ah, à gauche. J'ai vu, ouais. Mais on s'en fout en fait, c'est personne n'est allé là-bas. Sinon elle a pris bien cher. Et encore, c'est pas une coulée de lave, c'est juste une éruption. J'ai un petit navire qui s'est fait détruire par une tour parce que j'ai pas fait gaffe. Ah là là. C'est pas elle me hait. Des camps, vu que je me suis installé sur son île, elle m'a fait 10 de réputation. Attends, mais on avait pas 10 de réputation en fait, donc du coup, il y a un truc de réparation de bateau et une petite tour. Et ce bateau-là, il faudrait qu'il revienne. Mon équipage d'abordage est déjà. Faudrait qu'il fasse sa route parce qu'il va y avoir des morts ou quelque chose d'autre. Vous avez remporté la bataille. Ok, j'ai des problèmes de métier de tisserand. Je sais pas si c'est la. Ouais, il manque du chanvre. Un volcan est entré en éruption. Encore? C'est la même. La production. Ouais, c'est la même île où on voit plus rien. Où... Ah, mais là, c'est une éruption. Les corsaires attaquent votre navire.
Donc il y a de la lave qui va tomber sur toute l'île, ça va devenir le bordel sur toute l'île. Donc t'inquiète, c'est juste pire que tout à l'heure. En fait. Vous devriez aller vous confesser une dernière fois. J'aurais vraiment besoin que Tornade il revienne là. Non, non, elle va tout couler. Ah, ok, j'ai un combat de guerre qui va venir à côté des autres. Elle ne m'attaquait pas tant qu'elle se sentait plus puissante. Ouais. À l'attaque. De quoi? Les instructions. Allez. T'as dit quoi? Elle m'attaquait pas tant qu'elle se sentait moins puissante que moi en niveau bateau. Mais dès qu'elle s'est sentie pousser des ailes... T'as rien pu faire. Quelle nouvelle portez-vous? On ne craint pas la mort. Bon, en fait, elle vient de créer un énorme port, mais je peux pas stopper ça comme ça, en fait. On va taper ça, par exemple. Par les corsaires. Vos instructions. Oh zut, c'est un bateau de transport. Une juste escorter transaction. Un navire de cette région et rapporter la preuve à l'entrepôt. Ouais, je suis juste à côté. Si je peux vous dire aider de quelque manière que... Ah mais j'aurais pas le succès si je finis. Mais ça c'est bête, les ça. Autres abusifs. Elle a refait une tour. Ouais bah j'ai plus vite que lui, t'inquiète pas, y'a pas de... Vous êtes le diable en personne. Elle a refait une tour où? Ouais non ouais, elle a tout reconstruit au niveau de son bateau hein. Elle a tout reconstruit. Non non, je viens de péter la tour hein. Ah ok, tu veux de l'aide? Ouais, j'ai un petit bateau qui est prêt Ah attends, faut que je casse une maison qu'elle a recréée de l'autre côté. Chez elle. Attaque terrestre? Oh bah non, mais c'est les corsaires elles attaquent pas terrestre. Si, ils peuvent attaquer des tours. Ouais, mais après ils partent. Non, mais c'était une maison. Enfin, une. Ouais, bon, je me suis. Bah, pourquoi il s'est fait détruire le truc là où je rêve? Un sbire ennemi a été pris dans son repère. Attention. Je vois tes bateaux, j'ai un de tes bateaux qui est à peu près pas trop loin chez eux. Moi je vais essayer de coloniser, enfin d'aller avec un de mes véhicules sur son île. Un ennemi vous a vaincu. Ça je peux pas le taper. Ouais. Pas non plus du coup. C'est pas un truc qu'on peut casser, ok. Marche avant, on attaque. Là, on soigne toujours, c'est bien. Du coup, moi je me suis tranquillement chez elle. Hein. Y'a pas trop de. Sa petite île, je me suis installé chez elle. Comme toi, mais je me suis vraiment genre installé. J'ai créé des trucs de réparation et autres trucs comme ça. Parce que moi, tu trouves que je me suis pas vraiment installé chez elle. Je n'ai pas trop vu en fait. Ah, d'accord, j'ai fait mes fabriques de pain. Chez elle? Bah oui. Non, mais genre en guerre. Ouais. Ok, d'accord. On est respectueux. Est-ce que 10 outils ça suffit pour créer une grue et. Grue, truc? Non, ça va pas me suffire. Va falloir que j'attende un peu avec Tornade. Alors le donjon va mourir normalement. Nous sommes prêts. Honneur et gloire. Si besoin, il y aura les autres qui sont là. Ok, j'ai moins produire de pierre, j'ai moins produire de métal, mais ça va pas trop être un problème parce que c'est un honneur. Ah oui, par contre, j'ai plus de production de métal. Vous êtes seul. Il y a pas assez de vous charbon. Auriez votre place dans c'est bon, on va créer d'autres charbons, il y a pas du tout la place. C'est trop bien ça. On va le mettre là. On peut pas. Sans ma flotte, je... Matériaux de construction insuffisant. Bah, j'ai pas d'outils, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, il crée plus vraiment assez d'outils en fait. Enfin, une encrette. Peu... Ah, mais faut qu'ils s'utilisent qu'ils aillent chercher les outils. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les autres là? Bah, attends, manque d'outils sinon. Votre troupe ont de bonnes chances de remporter la victoire. Ouais, je sais. Capturer l'esprit. On a besoin. On va cliquer sur toutes les rues.
Ouais, en fait, il faudrait que tu crées un port et tout au niveau de ta maison, toi. Au niveau de tes maisons. Moi, je m'occupe de la petite île, là, je suis en train de me faire plaisir sur sa petite île. Mais voilà que tu t'occupes de la grande île proposée. Parce que t'as pas créé de trucs de réparation sur sa petite, sur sa grande île. Donc, quel boulot. Sur sa grande île. Oui. Faudrait que tu crées des réparations de bateaux. Parce que du coup, tu peux laisser mes bateaux là-bas. Sinon, c'est la galère, je vais faire des allers-retours tout le temps. Je vais voir ce que je peux faire. Des bateaux à moi arrivent en renfort. Pour essayer de péter ton gros port. Ça te va? Parce que là, elle est en train d'apporter des bateaux à ce niveau-là, ça va pas trop le faire. Ouais, c'est kiff kiff. Je pourrais construire, je pourrais utiliser son donjon pour faire mes propres troupes, mais. Pourquoi tu peux pas? Tu le fais pas alors? Parce qu'il faut que j'apporte des armes, et c'est un peu long. Ou alors je me lance ma propre production d'armes sur son île. Bah, et pourquoi pas? Je pourrais, mais. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'il soit pas content là? Il manque des habits, ouais, d'accord. Des habits. Et du poisson. Mais poisson, j'ai rajouté un truc. Les détails doivent rester entre nous. Ouais, on va finir par avoir ce petit tour. Les gens qui m'attaquent, on va avoir des renforts. Il y a quoi, ce camp là. De mes commerces qui manque de marchandises. Oh mince, partie non synchronisée. Autre joueur non synchronisé. J'ai créé un autre truc pour mes poissons, mais je peux pas faire grand chose de plus. Hein. Ouais, du coup, pour éviter d'avoir des bugs, on devrait arrêter la partie, ouais. Ouais. Et du coup, je vais arrêter l'épisode aussi. On se retrouve bientôt pour le suivant.